Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le lundi 6 juin et on se retrouve pour faire une petite vidéo de cartes pliées. Alors j'espère que je vais y arriver parce qu'avec mon asticot qui est cuit, voilà, j'espère que ça va bien plier, que ça va le faire. Alors du coup, je vous présente un petit peu le projet. Voilà, donc il vous faut une feuille 30-30 pour faire ça. On va quadriller en fait notre feuille, donc avec des plis, d'accord? Et au milieu, il va falloir faire des plis en fait d'un carré comme ceci. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc on a une feuille 30-30, il va falloir la partager en 4, d'accord? Donc là, vous faites 30 divisé par 4 et après, c'est bon. Oui, c'est ça. Alors, ça fait 30 divisé par 4, Betty. Ça y est, je suis paumée. Déjà là, au milieu, ça va faire 15. Donc, ça fait 7 et demi à chaque fois. 7 et demi, 7 et demi et 7 et demi. D'accord? Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça. Alors, donc, massicot magique. Fais-moi les trucs correctement. Alors, du coup, vous allez déjà couper votre papier à 30. D'accord? Voilà. En espérant vraiment que ça fasse droit. 30 sur 30, parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mon massicot, il est mort. Alors, 30 sur 30. Alors, attendez, 30 sur 30. Pourquoi là, j'ai enlevé je sais pas combien. C'est bon. Alors, du coup, je vais vider de ça. Peut-être que ça va m'aider pour les pliages. Donc là, vous allez faire des plis à 7,5. Donc vous allez partager en 4. Donc 7,5. Je le sens quand j'appuie dessus que ça se ramollit en fait. 15. Donc au milieu. D'accord. Et ensuite 7,5 après. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 22,5. D'accord, vous faites comme ceci, vous retournez votre page et vous faites 7,5, 15 et 22,5. Jusque-là. Rien de fifou. Donc là, vous avez un quadrillage, vous voyez, de partout. Maintenant, ici, là, au milieu, donc de votre carré, vous allez tracer comme ça. Enfin, vous allez tracer. Vous allez faire des plis pour faire un carré au milieu. D'accord? Alors, moi, je vais prendre ma règle. Je vais prendre mon, je sais pas quoi, là, mon plioir comme ceci. Et donc là, vous avez le carré, il est en plein milieu comme ça, d'accord? Donc là, vous allez faire un pli comme ça. Un pli comme ça. Comme ça et un pli comme ça, donc vous faites un carré au milieu. J'espère vous allez voir ce que je fais. Voilà, donc au milieu ça vous donne un carré. Vous y voyez que dalle, mais voilà, vous voyez le carré au milieu, d'accord? Ici là, au milieu, vous faites un carré, voilà, dans comme ça, ok. Donc là, maintenant, c'est là où on va voir si ça a plié droit, mon massicot. Donc là, vous allez marquer les plis. Alors là, moi, j'ai un papier qui est encore une fois très épais. Donc, vous
vous allez marquer les plis de toute votre feuille. Voilà, vous marquez bien les plis. Attendez, je vais jeter ça, ça me gêne. Voilà, donc là, vous marquez les plis, là, vous marquez les plis de partout. Voilà, bon, moi je fais en zigzag, mais ça sert à rien de faire en zigzag, mais bon, ça permet de bien aplatir. Donc là, vous avez tous les plis qui sont marqués et vous allez aussi marquer du coup les plis que vous avez fait au niveau de votre carré. Ici, d'accord, là, ici, là. Ici, là, donc là vous marquez vraiment tous vos plis. Tac, là vous allez mieux le voir, le carré qui va apparaître. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc là ça a apparu comme par magie. Alors là, la technique pour le pliage, alors moi je vous dis j'ai un papier qui est épais, donc j'espère que ça va marcher. Donc, tac. Alors, donc là, vous allez avoir votre papier, d'accord, comme ceci. Vous allez avoir votre carré au milieu. Donc, en fait, là, il va falloir plier comme ça. D'accord. Plier comme ça. Déjà, alors, attendez. Je ne vais pas arriver à vous le plier. Je ne vais pas arriver à vous le montrer. Donc, en fait, une fois que ça se plie, j'ai pas fait le bon pliage ici. Voilà, attendez 2 secondes. Bon, ça y est, j'y suis arrivée. Je vais pouvoir vous montrer. Alors, vous voyez, votre carte, après, une fois fermée, elle se ferme comme ceci. Alors, du coup, il faut que vous ayez ceci. Donc, en fait, votre carré, là, il faut que vous ayez les plis vers l'extérieur. Donc là, vous ramenez votre feuille par-dessus, par-dessus, d'accord, à chaque fois, par-dessus, par-dessus et par-dessus, d'accord. Ensuite, vous allez attraper la première feuille comme ça. Donc, elle va se tourner un petit peu. Vous attrapez la première feuille, la deuxième feuille en bas, comme ceci. Et après, quand vous allez remonter, en fait, tout simplement, normalement, tout va se suivre. Regardez, comme ceci. Et tout va se suivre pour se fermer. Hop. Pour faire un carré. Alors, j'y suis arrivée hors caméra. Et là, je ne vais pas y arriver. Alors, tac. Donc, comme ceci. Là, vous allez trouver ça compliqué du coup, alors que non, c'est pas compliqué, mais bon. Hop, donc là, vous voyez, ça tourne. Voilà, voilà, ça tourne. Donc lui, il va passer en premier. Lui, il va passer par au-dessus. Lui, il va passer sur le côté comme ceci. Et là, en même temps, il faut que vous remontiez celui-ci. Et vous voyez, ça va vous faire un carré qui se ferme comme ceci. D'accord? J'espère que vous aurez compris. On va essayer de le refaire. Là, vous prenez celui-ci. En même temps, vous allez prendre le bas. Donc, lui, il va passer en dessous, lui, au-dessus. En même temps, vous prenez celui-là qui va passer en dessous. Et celui-ci qui va passer en dessus. Voilà, tout simplement. Vous voyez? Et donc là, ça va vous faire une carte fermée comme ça. Voilà. Un petit peu, voilà, ça paraît complexe, mais non, en fait, ça va. Donc du coup, ben maintenant, le plus long, ça va être de couper tous ces carrés pour venir les coller ici. Parce que du coup, il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carrés. D'accord? De 7 par 7. Donc 12 carrés de 7 par 7. Ensuite, il y aura un grand carré ici. Et après, des demi, donc des triangles ici. Donc déjà, 7 carrés.
Alors, en sachant que ceux qui vont être à enfin, ceux qui vont se voir quand vous allez fermer, donc on refait comme ça, tac, vous repassez à chaque fois par-dessus, par-dessus. Au pire des cas, vous faites un petit trait pour savoir lequel c'est dessus. Mais là, si vous faites un trait dessus, c'est ceux qui vont être au bord. Regardez, hop, 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 hop. Voilà, ça, c'est ce que vous allez voir quand vous allez fermer en fait la carte. D'accord? Donc, les extrémités, c'est ce que vous allez voir en fermant la carte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme papier, moi? Est-ce que j'ai des chutes de papier quelque part qui pourraient faire 7 par 7? Non, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Ça, vous voyez, pareil, c'est encore une carte qu'on peut faire avec des chutes de papier. Parce que, ben, du coup, 7 par 7, ça ne fait pas des grands morceaux de papier à utiliser. Et du coup, vous pouvez utiliser voilà, des chutes de papier pour faire cette carte-là. Alors, je vais essayer de voir ce que je vais utiliser comme papier. Alors, moi, j'avais sorti ça au début. Voilà. Alors, est-ce que j'utilise ça? Ça, c'est un papier de chez Noz. Parce que là, il faut que j'en fasse quand même des différentes couleurs. Et là, on va dire que j'ai plus les petites pommes en plus, je crois. Non. J'avais sorti ça, mais vous voyez, finalement. Ah, je sais pas quoi prendre. Bon, bah, allez. J'ai des chutes dans lui, là. On va faire lui. Alors. Donc là, on peut très bien le mettre en recto, en verso. Donc là, j'ai lui en chute, j'ai lui qui est détaché. Alors, on va prendre déjà ça. J'ai celui-là qui est découpé aussi. Je pense que je vais prendre aussi de ça. Allez, c'est parti. Donc déjà. On va faire donc des carrés de 7 par 7. Donc ça, je vais en mettre deux au niveau du dessus. Donc deux comme ça. Voilà, je vais en recouper deux pour mettre vers le milieu. Enfin, voilà, centré. Voilà, donc j'en fais quatre comme ça. J'en aurai un par là, on va dire. Vous voyez, un par là. Après, de ce côté, vous voyez, j'en mettrai au pire un comme ça, un comme ça. On va voir. Tac. Après, je vais prendre dans les hauts rangées là. Par contre, je vais pouvoir prendre que d'un côté celui-ci. Lui. Il va être sur les bords un là et un là. Voilà. Après, on a cela qu'on va faire. On va faire 4 aussi. Je vais commencer à coller comme ça, je vais voir où j'en suis dans les couleurs. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je vous avoue que là, je suis partie d'un truc. C'était pas ce que je voulais faire en couleur du départ. Donc du coup, je sais pas ce que ça va donner à la fin. Je vous le dis tout de suite. On va voir. On y va. Au culot. On verra bien. Allez, hop. Déjà, on va ranger ça. On va se faire un peu de place. Et on va commencer à coller déjà tout ce qu'on a là. Alors attendez, j'ai un petit mot qui est tombé. Voilà. Donc là, ben, vous faites des carrés, tout simplement, et vous venez les coller aux emplacements des carrés. D'accord?
Voilà, donc vous essayez de vous centrer bien droit par rapport à votre papier, hein, parce que là on a fait un petit matage. Donc déjà j'en veux un orange ici, j'en veux un fleuri ici. Voilà. Ensuite, j'en veux un autre fleuri à l'opposé. Voilà, ici. Ensuite, je vais en mettre un autre orangé. Là, alors là, je prends un dessin que, vous savez, on peut le tourner dans tous les sens. Il n'y a pas de sens. Par contre, si vous mettez un dessin, faites attention qu'il y ait voilà, qu'il y ait le sens quand vous le pliez. Sinon, ça ne sera pas le même sens. Comme là, si je plie, est-ce que je vais avoir, en fait, est-ce que je vais avoir, c'est les rayures là que je regarde, si je vais avoir les rayures, en fait, qui vont être, vous voyez, j'en ai une qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Donc, hop, je décolle et je mets les rayures dans le même sens. Voilà, déjà, vous voyez, ça va donner ça quand on va fermer la carte. Bon, après, vous allez me dire, c'est une grosse carte quand vous l'ouvrez, mais moi, j'aime bien, je trouve que ça change. Alors, du coup, ensuite, j'avais dit un vert par là, un vert par là, pourquoi pas. Ensuite, en même temps, j'avais que deux verts, donc au pire, je peux faire un vert là, un vert là. Ensuite, j'ai fait un orangé que je pourrais mettre ici, un autre ici. Et ensuite, j'ai un vert là et un vert là. Voilà, on pourrait faire comme ça. Du coup. Ou alors. Non, ça va pas aller si je fais ça. Bon, déjà on va coller ça. Hop. Donc là, vous collez. Collez au fur et à mesure, mettez comme ça, vous voyez si ça va bien ensemble, si ça va pas ensemble, je sais pas. Bon. Voilà, si ça vous plaît, ça vous plaît pas. Donc là, je vais mettre celui-ci là. Celui-ci ici. Donc là, il me manque juste deux carrés. Je pense que je vais remettre deux autres comme ça. Là. De un peu orangé. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Et tac. Voilà. Donc là. Hop. Donc là déjà, vous voyez, on y voit plus clair. Donc là, je vais reprendre ça. Je vais refaire deux carrés, je pense, dans ces tons-là. Là. Si j'en ai encore. Il est là. Donc là, je vais refaire deux carrés de 7 sur 7. Voilà. 7 sur 7. Voilà, comme ceci. Donc, eux, ils vont aller là et là. Et ensuite, pour le milieu, je vais faire... qu'est-ce qu'on va faire pour le milieu? Alors, pour le milieu, je voulais faire carrément un comme ça, là. Voilà. Et du coup, après, pour les petits triangles sur les côtés... On se fait quoi pour les petits triangles du côté?
je sais pas du coup. Est-ce que si je mets un truc comme ça va le faire? Rappeler les petites pâquerettes. Ou alors. Les petites feuilles j'ai mis. Peut-être un truc comme ça là. Ouais. Alors. Donc du coup. Je vais déjà faire les triangles. Alors les triangles, je vais en faire 2 de 7. Donc je vais faire 2 carrés de 7 sur 7. Voilà. Alors 7 sur 7. Voilà, vous faites 2 carrés et ensuite vous coupez en 2. Voilà, dans la diagonale. Et ça va vous faire les petits triangles que vous allez mettre là-bas. D'accord? Voilà, et ensuite on va couper le gros morceau du milieu. Donc notre carré du milieu, il fait combien? J'ai même pas mesuré, je sais pas. Il fait 10, donc vous allez faire un carré de 9 sur 9. Regardez, parce qu'il y avait peut-être un truc que je voulais récupérer. Merde, c'est pas 9. 9,5 par 9,5. Non, mais tant pis. C'est pas grave. Ah non, c'est peut-être bon. Ouais. 9,5 par 9,5. Et là, j'allais peut-être mettre à Dream, Dream, Dream. Party time. Allez, je range tout ça, tout ce bazar. On va coller tout ça et on va voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai réutilisé d'autres papiers, mais comme je vous dis, si vous avez des chutes, utilisez vos chutes. Hein. Le plus grand des papiers, il faut qu'il fasse 9,5. Donc, généralement, on a toujours une petite chute de 9,5 qui traîne. Hein. Donc là, on va reprendre la colle. On va continuer à coller. Donc, du coup... On colle nos petits carrés. Voilà. Voilà. Celui-là, on va le mettre là. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est rien de compliqué. Après, quand vous avez trouvé le système du pliage... ça va tout seul. Je vous dis, il faut rabattre d'abord en haut à droite et après, normalement, vous avez tout qui suit. Ah merde, ça faisait 10 et demi. Oh, là, je vais pas y arriver à faire le carré du milieu. En fait, ça faisait 10 et demi. Ça fait 10 et demi le carré du milieu. Ça fait pas 10. Je vous jure. Donc là, je vais en couler un ici. Où est-ce que je vais couler par là? Donc là, je vais mettre un orange là. Un orange là-haut. Après, on fait un petit puzzle. Hein. Vous avez vu, c'est pas non plus compliqué. Hein. Après, ouais, ça fait une grande carte. Vous allez me dire, ouais, mais on le met où, notre mot, et ça sert à quoi? Bon, ça sert à faire joli. Moi, j'aime bien, en fait, quand vous l'ouvrez, ça fait... voilà, après, vous pouvez faire des petits dessins, mettre des petits trucs. Je sais que vous allez faire des trucs sympas avec ça, quoi. Voilà. Je me fais pas de bile pour ça. Bon, du coup, est-ce qu'il me reste le papier que je voulais mettre, moi? Parce que du coup,
Je pense pas que j'ai une chute maintenant de 10 sur 10. Voilà, donc il me reste du coup mon carré. Mais là, vu que je me suis déjà trompée une fois, deux fois, trois fois, je pense pas que les 10 sur 10, je les ai maintenant. Alors, faites voir ça. Bon, peut-être, quoique, si. Je croyais que je l'aurais coupé de partout, celui-là. Bon, après, alors ça fait des chutes. On va bien trouver quelque chose à faire avec ça. Alors, hop là. Donc là, maintenant, on peut prendre notre carré. Normalement, il est bon. Là, on va mettre de la colle. Et voilà. Et on va coller nos petites oranges au milieu. Voilà. Comme ceci. Et moi, je vais mettre le Dream, Dream, Dream au milieu. Donc là, vous ne mettez pas en 3D ni rien, parce que sinon, ça... Et voilà. Donc voilà notre petite carte terminée. Donc en espérant que maintenant ça soit bon. Donc là vous prenez, d'accord, vous prenez comme ça. Alors là par contre faut bien être collé de partout. Vous voyez, je suis pas bien collé de partout moi. Donc là vous prenez déjà celui-ci. Bon, attendez que tout soit bien sec. Attendez que tout soit bien collé aussi, parce que sinon, au moins comme ça vous voyez où c'est pas collé. Alors vous prenez ce pli-là, d'accord? Ensuite là vous remontez. Donc là vous tenez avec les deux mains. Ensuite vous allez remonter celui-ci, d'accord? En fait j'ai pas collé tous les coins en fait. Tout va bien se passer. J'en ai une, je crois, qui est en train de goûter en bas. Ça doit être l'heure du goûter. Hop, voilà. Tac. Du coup, je recolle en même temps mes petits coins. Allez. Non, lui, il ne veut pas. Et vous entendez l'ASMR boubou en même temps. Alors du coup, là, on est bon ou pas, Betty? Donc là, hop. Non, quand je vous dis ça va pas se coller. Attendez bien que ça sèche hein, avant de faire le truc. Hein, parce que vous voyez, c'est. C'est pas grave, je vais plier moi. Tac. Donc là, vous remontez un côté, vous remontez l'autre. Donc vous laissez suivre. Là, ça va suivre en même temps. D'accord? Et là, vous remontez. Et normalement, vous voyez, ça va se plier comme ceci. Voilà. D'accord? Vous voyez, c'est vraiment. Voilà, une fois que vous avez compris le système du pliage, ça va tout seul, normalement. Hein, après, voilà. Donc, j'espère que vous aurez bien compris le système de ce pliage-là. Et que, voilà, vous arriverez à plier. Après, vous avez vu, c'est pas. En soi, c'est pas compliqué, quoi. Mais voilà, il faut trouver le système. Alors, du coup, qu'est-ce qui me reste là? On a le mot beautiful. Party time. C'est beaucoup sur les anniversaires, etc. C'est chiant. On va prendre le mot beautiful là. Voilà. On va essayer de le couper correctement. Hop. Donc, je vais prendre le mot beautiful. Dis donc. Ishka. Ben oui. Tu ronfles. Et lui, je vais venir le coller. Donc ici. D'accord. Et je vais y mettre une petite fleur, vu que bah, on a des petites fleurs, etc. déjà dessus. Je vais venir coller une petite fleur de cette couleur-là. Hop.
Merde, j'ai pas collé ça. Dessus. Voilà, pour la déco de dessus. Alors après, c'est pareil, vous pouvez faire ce genre de carte avec au milieu une photo. Quand vous ouvrez, vous avez la photo en fait dessus, quoi. Hop, et voilà. Voilà, notre carte est terminée. Hop là. Donc voilà, bon, un truc tout simple. Hein. Mais après, quand on l'ouvre, moi je trouve que voilà, c'est vraiment super sympa. Hop. Et hop. Donc là, bien sûr, vous avez vu, le Beautiful, il va être comme ceci. Mais quand vous allez le replier, il va être à l'endroit. Donc là, vous avez, voilà, vous pouvez mettre une petite photo en déco. Moi, je trouve que l'idée, elle est sympa. Maintenant, maintenant voilà, vous à vous de voir si ça vous plaît, j'espère. Voyez, regardez, vous prenez le coin à droite, vous le remontez. Vous prenez le coin en bas à droite, vous remontez. Et en fait, ça va faire un système de rotation. D'accord? Donc, vous rotez. Stationner, ça se dit pas. Vous tournez comme ça. Vous essayez de tenir avec vos deux doigts, avec celui-ci là. Tac. Vous allez pousser celui-là. Ça va suivre, d'accord? Tout simplement, vous tenez là. Là, ici, vous le poussez et voilà. Hop. Vous l'avez vu? Voilà. Essayez plusieurs fois, vous devriez y arriver. Alors après derrière, c'est comme ça. Bon, vous n'êtes pas obligé de décorer le derrière. Donc voilà pour cette petite carte pliage du jour. Moi je la trouve sympa, c'est rigolo, ça change un petit peu. Voilà, vous savez bien que j'aime bien ce qui change. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Moi j'aime bien, donc c'est le principal à chaque fois, je vous le dis. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous.